J'ai tendance à penser, et c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement souvent dans nos jeux, que ce qui fait un jeu de rôle, c'est l'importance des choix. C'est le fait que les choix qu'on va prendre au cours de l'aventure vont effectivement modifier l'histoire, vont modifier la perception qu'on a de ce monde-là. Et c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve aussi dans la création de personnages, puisqu'on peut décider qu'on joue un personnage masculin ou féminin. On va pouvoir un peu customiser son aspect physique. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Dans notre histoire en tant que développeur, mais en tant que joueur et personne aussi, il est certain que le jeu de rôle, y compris le jeu de rôle sur table, ça nous a énormément influencé dans la manière dont on a imaginé ce jeu, c'est tout ce système d'interaction. Et le fait d'avoir autant de factions différentes, que chaque faction ait sa philosophie, qu'elle ait des personnages importants qui amènent vraiment de la narration, on va pouvoir découvrir les sales petits secrets des différents gouverneurs, le sale petit secret de chaque faction, et les utiliser contre eux si on le souhaite. Tell us what is going on. We haven't heard anything about Lord Dorset's condition in spite of our inquiries. Deux joueurs qui n'ont pas fait les mêmes choix d'alliance, qui n'ont pas fait les mêmes choix de compagnons à tel ou tel moment, ou les mêmes choix dans certaines quêtes, vont se retrouver à ne pas vivre exactement la même histoire. Et ça nous a paru être quelque chose de très important. You defend yourself well, Greenblood. One might think you had a proper master of arms. The best. On a un arbre de compétences qui est extrêmement vaste, avec des compétences très variées. On a des compétences, on va dire, plutôt orientées vers l'assassinat, puisqu'on peut empoisonner ses armes aussi. On a vraiment essayé de proposer suffisamment de compétences pour que le joueur puisse orienter son personnage dans le style de jeu qu'il a envie de retrouver. Outre les armes donc, qui sont très variées, comme je le disais, on a aussi tout un lot d'armures différentes. Chaque faction a sa propre mode, on va dire, son propre type de costume. Et tous ces costumes sont évidemment portables par le joueur. Enfin, on a, j'en parlais tout à l'heure, des compétences sociales qui permettent là d'interagir avec l'univers. C'est pas que des compétences sociales d'ailleurs, puisque on a notamment la compétence de craft, de manière assez classique, qui en fait partie, qui permet donc de façonner des objets ou d'améliorer des objets déjà existants. En fait, on nous dit souvent qu'on est trop ambitieux. Parce qu'on est un petit studio, parce qu'on est une petite équipe, mais on le fait pas par pure ambition, je crois pas du tout que ça vienne de là. Je crois que c'est parce que c'est par amour, en fait. On crée ces univers avec, oui, beaucoup de passion, de tendresse, en fait, pour les personnages qu'on crée, pour les créatures qui vont peupler ce monde-là. C'est quelque chose qui nous, je crois, qu'on a tous envie au sein de notre équipe de développer. Pour être vivant, il faut donner, il faut être généreux. Je crois que c'est un peu une des. Effectivement quelque chose qui nous tenait à cœur, ce Gridfall.